Salut à tous, ici Anthony. Donc j'ai vu qu'aujourd'hui le Baïf, bon excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, a fait une petite vidéo sur son nouveau projecteur qu'il a reçu, son Nipulse Tornado, si je me souviens, voilà. Ouais, parce que je fais ça après avoir vu sa vidéo après 6 heures. Ouais. Donc je vais vous montrer aussi... ma petite lumière à effet qui fait à peu près les mêmes effets, sauf que le sien fait des meilleurs effets, je trouve. Donc, si cette lumière, en fait, elle fait les effets que vous verrez là. Là, vous verrez les effets que j'ai fait pendant une soirée. Voilà. Donc, c'est une lumière déjà solide, vous pouvez y aller. Hein. Cette lumière, elle a 20 ans. C'est mon père qui l'avait acheté neuf il y a très longtemps. Donc, on l'a encore et je vous peux vous dire qu'est-ce qu'il est tombé, cette lumière. Mais franchement, alors déjà, la marque, pardon, je tombe, c'est la Stashtec, comment on dit ça, Dichrobeam, c'est ça. Donc Stashtec, c'est une boîte française hein, à la base. Donc ils sont réputés pour faire du costaud et je pouvais dire que c'est vraiment costaud. Hein. Elle a dû tomber au moins une centaine de fois cette lumière ou plus et à des hauteurs au moins très haut, voilà. Donc dessus, on voit qu'il y a une grille d'aération. Alors par contre, excusez-moi, j'ai pas fait la poussière à la lumière, hein, parce que je voulais absolument vous la montrer. Donc, l'aération là. Derrière, ne regardez pas ça, je sais qu'il faut que je change le câble, mais pour l'instant ça marche, et je sais que c'est pas bien. Mais j'ai la flemme. Donc là, nous avons un fusible. Là, nous avons un mode, en fait. Donc le mode 1, c'est différent du mode 2, je sais plus ce que c'est les modes. Enfin bref. Donc là, il y a la vitesse, de rotation du truc qui fait des ronds. Je vous montre ça tout à l'heure. Et là, il y a un micro bien caché comme ça, exprès. Comme ça, s'il était là, bah, il serait abîmé tout le temps pendant les chocs et tout. Alors que là, il est bien protégé. Donc, je fais des bitos. Donc là, il y a l'accroche. Dessous, nous avons des vis. Enfin bref, on s'en fout. Un lentille de devant. Donc les deux comme ça. Donc c'est super effet. On ouvre le capot, j'ai déjà enlevé les vis. Pour que ça aille de plus en plus vite, pour que ça aille plus rapidement. Ah, par contre, c'est d'un seul coup. Donc, jeu de lumière avec une lampe 250 watts ELC. Donc c'est l'halogène. Hein. Donc la lumière passe par le petit trou avec la petite roue qui tourne, petit trou de gobo qui tourne, qui réfléchit sur le miroir et qui balance le rayon là-bas. Voilà. Alors, reçu de le Baïf, lui il a un truc en même temps que ça resserre ou ça concentre le rayon, ça resserre et ça dézoome. Moi je l'ai pas, moi ça fait juste des ronds. Mais sur de grands espaces, ça fait des punaises d'effets avec une bonne fumée. Moi j'adore. Franchement, je la porte à toutes les soirées. Je sais que ça fait un effet sympa que tout le monde aime bien, parce que ça fait les rayons, ça fait des. On appelle ça un rond là. Une sorte de tunnel, donc tout le monde aime bien. Donc, la bonne fumée, ça passe super bien en plus. Et puis c'est pas une lumière. C'est une solide, premièrement, et surtout que vous branchez, c'est parti, hein, vous ne touchez plus. De la bonne fumée. C'est jeu de lumière, si vous avez pas envie. Fait ça. Si vous avez pas envie de vous emmerder en soirée, dire, si vous avez pas envie de vous faire chier, programmer des trucs, vous apportez ça et ça suffit. Bon, d'ailleurs, toute la marque Stashtec est super. Donc là, il y a le câble pour alimenter cette lampe. L'alimentation. Ah, la machine à fumer fait du bruit, c'est-à-dire qu'elle est prête. Pardon, j'ai scoopé. Voilà, elle était en mode activation. Donc là, il y a ben, le sucre. Hein. Voilà, grosse alimentation, petite carte électronique, donc c'est pas compliqué, pas beaucoup de choses dedans, et ça suffit pour faire des super effets. Donc si vous voulez, je vous l'allume pour vous montrer ce que ça fait, normalement, si je me souviens, c'est celui-là, voilà. Donc je répète, il y a une lumière qui rentre dans le truc, qui fait des ronds, après il y a ça qui tourne. Donc de loin, ça fait ça. Bon là, ça fait pas super, j'avoue. Mais je vais vous faire une... Bah, juste après ça, je vais me mettre dans le noir et mettre un peu de fumée pour vous rappeler que cette lumière était extrêmement géniale.
juste mettre le mode 1 pour voir si ça change quelque chose. Le mode 1, ça ne change pas grand chose. Le mode 2 a plus de bouger. Si j'accélère, on peut arriver à ce que ça tourne au rond. Vive le focus d'iPhone. Ça bouge tout seul et c'est génial. On se retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Revoir à tous. Après 4 ou 5, 6 allers-retours entre mon grenier et ma sorte de cave, on va dire ça, sur un petit escalier, voici. Donc voilà, je vais fumer et tout. Donc on voit que là, franchement, quand on a l'espace, c'est vraiment génial. L'iPhone, on fait faire des focus à la con, ça va être pas mal. Non, mais c'est dans le noir, s'il te plaît. Et oui, d'ailleurs, je sais que je suis arrivé aux 500 abonnés. Donc, je suis en train de préparer une vidéo des 500 abonnés. Et donc, je suis en train de réfléchir comment la faire. Donc, elle va être sûrement en retard de 2 ou 2 semaines. Donc, je sais. Bon, je l'ai mis cool. Et d'ailleurs, le baïf, dédicace à toi. Vu que tu m'as donné envie de ressortir. Bon, je sors même toutes les soirées, mais ressortir de mon fly. Mes stash tech, mes flowers préférés. D'ailleurs, si quelqu'un en vend, j'en cherche. Parce qu'il n'y a rien de mieux comme lumière. Donc, à plus à tous et à la prochaine. Ciao! Yeah.